Tiens, Strax, encore toi. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, c'est vous qui êtes venu me chercher après m'avoir convoqué, docteur. Si, tu le dis. Bon bah, puisque tu es là, rends-toi utile. Allez, allez, on s'active. Actionne le moulin qui est derrière toi. Je ne vois pas de bouton d'activation. Y a-t-il un code ou un scanner? Strax, c'est un moulin. C'est manuel. Allez, hop, hop. C'est physique, ça devrait te plaire. Pense que toutes les particules que tu broies sont tes ennemis, ça devrait te motiver. Ah, prends ça, maudit grain. Je te coupe, je te broie et te réduis en cendres, pourriture d'ersatz de grumeaux. Grumeaux? C'est comme ça que nous appelons les humains. Ah. Bon, pas le temps de niaiser. Mets ça sur la fournaise instantanée, j'ai 2-3 réglages à faire. Hop, premier palier. Et les enzymes sont désactivées. Parfait. Tiens, use tes bras et retire-moi ce sac. J'en ai plus besoin. C'est l'heure de faire bouillir la décoction. Vous jouez au sorcier, docteur? C'est un antidote? C'est une potion, oui. Tiens-moi le thermomètre et ce bout de tuyau pendant que je lance l'ébullition. Et hop, on accélère le tout. Et paf, on transvase. On met ça à l'extérieur, dans la chambre aseptisée. Un petit saut de 1 mois et... Bon, docteur, peut-on savoir à quoi tout cela rime? Attrape les verres, c'est l'heure de la dégustation, mon cher Strax. Petite bière minute, grâce au TARDIS. Et je fais quoi du tuyau maintenant? Salut tout le monde, hello pour ce nouvel épisode du coup de Doctor Who sur le thème Rengo, voilà, avec des camarades, donc on part sur du Rengo, normalement, avec les camarades Matthew, Marine et Tune. Voilà, c'était petit épisode pour expulser un petit peu donc l'épisode précédent, enfin le petit truc du son pour expulser ce que j'ai fait hier. Voilà, j'ai fait une petite bière, si vous voulez la recette, elle est là, tac. Voilà, je suis bien amusé, j'espère que je pourrai la déguster avec des potes. Et là, ce qu'on va déguster avec des potes, ça va être un Rengo. Donc je vais tout de suite rejoindre la petite troupe. Salut tout le monde, coucou. Tune, Marine, vous êtes là, Matthew. Salut. Mathieu, il est en mute. Ah, il s'est muté. Ouais, de toute façon, il parle trop. Mais il n'y a ni Tune ni Mathieu qui sont sur la partie. Ah ouais. Eh ben, c'est pas grave, on va la lancer tranquillement. Donc, l'idée, c'est une petite partie en Rengo de 30 minutes plus 3 fois 30 secondes. Et puis, on va jouer ça dans la grotte tranquillement. Normalement, les équipes, c'est Matthew Tune contre Marine et moi. C'est une équipe officielle de Pergo, non? Nous, on est une équipe officielle de Pergo, ouais. Non, mais... Mais toi aussi, en fait. Vous aussi, vous l'avez fait ensemble. Aussi. Bah ouais. À Strasbourg, le 14. C'était le 12 ou le 14 septembre? Voilà. Le dernier tournoi. C'était avant septembre, parce que j'aurais pas accepté en fait. Sinon. C'était en septembre. C'était 14. C'était en septembre. C'était mi-septembre. C'était mi-septembre. C'était genre le premier week-end. C'était le 12 ou le 14. Sûr et certain. Ah ouais, sur les dates. Non, j'étais venu en mode. Je commence pas à bosser en septembre. Ah ouais. C'est bizarre. Et pourtant. Non, alors. Il nous manque le Matthew. Ouais, Matthew, il va pas te saluer. Ah, il fait son café. Salut mon Matthew! Salut, il est de retour pour jouer des mauvais tours comme d'habitude. Je faisais de la petite pub pour ton Twitch sur le serveur de site. Ah bah c'est gentil. Ouais. Il dit ça mais il se fait de la propre pub parce qu'il va dire les gars, je vais parler et tout. Sur le chat de la partie, tu peux aussi te faire de la pub. Sur le chat de la partie. Quand on jouera? De la partie de Rengo?
Tout à fait, tout à fait. Et pouf. Oh là là, il y a des petits sons et tout. C'est un vrai plaisir de jouer avec de Ben ouais. Mais on n'avait pas joué ensemble justement à ce tournoi de Pergo. Jamais joué ensemble. Non. Ben non. Non. C'est pour ça, j'ai hâte. Non mais c'est que j'ai tellement regardé toutes vos parties que j'ai l'impression d'avoir déjà joué avec vous. Coucou Camille. Vous êtes quand même le couple Rainbow le plus connu sur la communauté. Ah mais c'est que t'es un récent toi. Tu connais pas les Simon Biloué et Milena, tu connais pas les les trucs indestructibles comme ça, les Benjon et Julie. Bonne partie oui, tout le monde. Yes. Bon, on joue pour l'acquisition d'un badge. Ça va le faire. Et du coup, si nous on gagne, c'est nous le badge ou juste... Je pourrais imprimer un petit truc si tu veux. Ouais. Ah, faut monter un peu le son de Machu. Ah, ouais, la déception. Pas de croisé. Non, elle veut pas. Christitude, c'est qui joue? C'est moi qui ai fait le commentaire. Ah, c'est Machu qui a pas. J'ai glissé. Oups. Non mais je vais pas faire un croisé pour faire plaisir à Blanc. Bah pourquoi pas. Bah ouais, ça fait trop plaisir à Blanc. Tranquille. Bah si enfin. Hop, Machu, on va le monter un petit peu. C'est vrai qu'il parle pas très fort. Yes. Voilà, contre-attaque, qu'est-ce qui se passe? Counter-attaque. Ouh, instantanément. Et oui. Et le petit Ronin qui arrive. 9 Dan, quoi. Aïe. Oh my god. Bon, on va faire ça. Il fait ça. C'est rigolo, ça. On va jouer Trinky. Isoka, je dirais même. Il est pas cher. Non, il est pas là. S'il est pas encore là, il va venir. Ça va le son maintenant? On est mardi. On est pas mercredi. Mais oui, il faut faire l'appel du Isoka pour qu'il vienne. Et du coup, c'est ton premier Rengo là que tu fais avec ta chaîne? Tu dis à qui? À toi, c'était ta chaîne Twitch là. Ah, sur ma chaîne, ouais, mais j'avais pas compris le petit mot. Yes. Oh, Sassia! How are you? Il y a un copain. From the United States, St. Louis, Missouri. Ouais! Pardon. I should have seen you this year. Last year. Sinon, je peux augmenter mon petit son hein, si vous voulez. Hein. Si c'est nécessaire. J'ai augmenté. Tac. Mais ouais, c'est le premier. Salut Kiki. Premier stream du coup de Rengo. Mais en même temps, j'ai repris qu'il y a 3 semaines, 4 semaines. Et il y a un mardi, un dimanche que j'ai sauté. Parce que la famille d'abord. Bah, j'aime pas trop cette variation. Bah, bien sûr. Bah oui, la famille d'abord. Il faut. Ah, j'avais dit que je remettais le follow de Thune pour la remercier. Ah, pouf, j'en remets le follow. Merci Thune. Et qu'est-ce que je peux avoir dans mon feed Twitch? Ah, il y a pas... Joy. Oui, c'est à toi. Pardon. Ok, alors si c'est à moi de jouer, je vais jouer ici. Ah. Oui. Instantanément. Non, même pas instant. Je regardais l'autre écran. Ouais, il a pris 2 secondes. Quand même. D'abord.
Ouais, par définition, nous on coupe, au moins on se pose pas la question. Ah, c'est dommage que sur le stream on n'ait pas 4 secondes d'avance et pas 15 secondes de retard, comme ça on aurait pu savoir ce que vous alliez faire. On voit ma souris sur le stream? Ouais, on voit ma souris. Mais je vais l'enlever, paf. Ah mais mince, ah oui, mais j'ai pas vu. Tu sais quoi, j'avais même pas... Je viens de rentrer dans le stream, pour te dire. Bah bienvenue. J'étais même pas dessus. Bah si, t'as fait un petit salut. Oui, mais je l'ai enlevé parce que tu parlais en même temps que Discord. Ah bah excuse-moi, pardon, excuse-moi de parler pendant mon stream. J'avais enlevé le son, j'avais enlevé le stream, et puis voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et bah super. On est content. Et là, je vois ta souris. Ah bon? Je vais l'enlever. Oupsie. Oui, j'avais dit que je la mettais pas. Non mais attends, ça peut être tricky, tu peux faire genre, tu vas jouer un coup, alors que pas du tout. J'avoue, tiens, je vais faire ça. Attends, il ne verra pas. Salut Nillington. Bah merci pour le follow aussi. Et bienvenue sur cette chaîne. Pour t'expliquer le contexte, voilà, petite partie de Rengo dans un contexte où j'essaie d'obtenir des badges et Tune, Matthew et Marine ont accepté de avoir Fichtre. Ah ouais, j'avoue. Allez. Elle est où? J'ai que du gel antibactérien. Attends, je vais prendre de l'eau. C'est trop bien. Ouais, je ferais ça pile poil dans les mains, c'est trop compliqué de dire. Bitch. Je vais prendre de l'eau. Ah. Oh yeah. Vas-y, à ta santé. À ta santé. Je vais jouer du coup. Ouais. À skip. On va jouer des coups rigolos pour l'instant. Ah, c'est pas rigolo, c'est pas encore rigolo. Ça, c'est la forme, mec. Ah, c'est la forme. Il joue strong. Mais des fois, la forme, c'est rigolo. Ça, c'est une forme rigolote. Bon, du coup, on boira le gel antibactérien plus tard, quand on aura vraiment plus rien. En vrai, tu fais bien de me faire boire maintenant, parce que c'est au moment où ça va être chaud que j'aurai envie de pisser, quoi. C'est exactement ce que je pensais. Ah, tu es un stratège, toi aussi. Non, j'y ai pensé que quand j'ai vu le verre. C'est pas si machiavélique que ça. Après, je peux me rapprocher du micro et puis... puis faire des petits sons de ASMR de buvage d'eau. Et comme ça, vous avez aussi envie, peut-être. Du coup, on sera dans l'overplay parce qu'on sera agressif. Après, ouais, attendez, c'est énervé, t'es moi, je joue après Thune. Tu joues après. Après moi, c'est Thune qui joue. Solide. Tu stratégises là-dessus, là, sur qui joue après toi. Non, mais juste pour savoir, c'est bien savoir. Je pense qu'on n'a jamais trop stratégifié là-dessus. Si stratégifier, ça existe comment? Ouais, développement solide là. C'est marrant, j'ai l'impression que noir joue comme blanc. Genre il fait des points et puis il est solide et tout. Et blanc il essaie de faire des influences qui marchent pas très bien, mais il essaie quand même. Et Sendo et Akari nous ont rejoints sur la partie. Ça, c'est de l'extension, qu'elle est forte. Faut leur dire de rejoindre le stream. Voilà, franchement, si c'est notre dernier pour la cinquième ligne, ça me va aussi. Ce serait stylé.
Voilà, c'est ce que j'avais dit, faut que tu mettes ton lien sur le chat. Viander, me reviens. Ok, donc... Viander, ça fait très viander. Viandez-vous. C'est apparemment à mon tour. Ouais. À skip. Putain, Marine, rien ne va plus, on a qu'une seule minute d'avance, là. Ouais, je sais, j'ai trop compris. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Allez. Est-ce qu'on fait à l'ancienne ? Ouh là là, c'est quoi l'ancienne ? Bah ouais, ok, je vais faire autre chose. Non, mais en vrai, je suis même pas sûr de vraiment tous les connaître, alors écoute. Oui, t'as eu plein de théories là-dessus, sur... Ah oui, l'ancienne, c'était le Kosumi en E15, ouais. Ah oui, c'est magnifique. J'ai une petite nostalgie. Merci, Nellington, qui adore le dessin de la chaîne. Bah, sache que moi aussi, j'adore le dessin de la chaîne. C'est Camille qui l'a fait, je le dis un peu plus bas dans la description. Camille Lévesque, Stone Down de Goban, alias Je fais tous les... Merci. Je fais tous les streams. Elle est, voilà, elle est juste en dessous, elle est là. Coucou. C'est toi, Mathieu, qui joue du... Comment ça s'appelle, déjà? Du didgeridoo. C'est pas du didgeridoo, ça. Non, tu parlais du petit instrument électronique, là, le... Comment ça s'appelle? C'est toi qui as le sonographe ou je sais pas quoi. Oh, est-ce qu'on peut faire ça? Ça me dit un truc. Ah non, je crois pas qu'on peut pas faire Loïc, hein. Je vois ta souris. Ah ouais, mais je crois qu'on peut le jouer quand même. Ah oui, bien sûr. On le jouait il y a 50 ans. Ouais, je me souviens. C'était à l'époque. Mais non, mais tu sais, des fois, les trucs d'il y a 50 ans, bah, dans des situations, c'est mieux. Oui, c'est vrai. Mathieu qui fait de la concurrence. Ah, Mathieu, faut aimer le rose et violet, quoi. C'est pas rose, vraiment. C'est un rouge qui tire sur le rose. C'est un peu plus subtil, parce que quand tu dis rose, la plupart des gens pensent à un rose bonbon un peu dégueu, quoi. Bah, c'est un rose... Ouais, ça fait très rose underground quand tu te balades. Enfin, je pense que c'est vraiment le truc que t'as voulu faire passer quand tu te balades dans les tréfonds. Salut, Shakwachi91. Des quartiers chauds de Tokyo, tout à fait. Ouais. Merci pour le follow aussi. Les quartiers chauds de Tokyo, malheureusement, je les connais pas... Mais après, ouais, c'est un peu l'idée, quoi. J'imagine. Tac, tac, tac. Ah oui, je dois enlever ma souris, purée. Vas-y, mais... D'où vous regardez, là? Je me sens épié, je me sens violé dans mon intimité. J'ai pas tout à fait le réflexe de regarder où tu joues, hein, mais... J'avoue que ça peut être... Bah, en général, quand je joue, a priori, tu le vois. Bah, a priori, mais je regarde plutôt mon goban à moi plutôt que l'écran... Il paraît que ça se tient. Mais après voilà, ça fait un jeu dans le jeu, quoi. La danse du lapin. Qu'est-ce que c'est que la danse du lapin? Mais c'est ton follow. Ah mais c'est un lapin. Putain, j'ai jamais réalisé que c'était un lapin. Waouh. Waouh. Je sais pas. Ouais, ce qui est cool, c'est que je peux refaire les danses de lapin. Si t'aimes bien la danse du lapin, je vais la remettre. Ouais. Yes. C'est un joli son en plus. C'est poil au niveau de ta tête. Oui, bah c'est pour me cacher un petit peu. Je pense que les gens ils préfèrent voir des petits. Bah, du coup, des lapins, a priori. J'étais pas sûr de ce que c'était. Marrant ça. C'est pas un truc habituel. On peut couper. Oui. Oui. On peut couper toujours, hein, dans la vie, tout ça.
C'est quoi, je vais laisser ma souris de côté et je vais jouer sur l'écran. C'est tactile, tac. Il est tactile. Ouais. Le mec, il est dans pur cul, quoi. Et toi, t'es tactile? Ouais, probablement, mais je suis pas un crado, j'ai mon écran, ça va. J'ai mon gel. Ça, pour le chat, la musique est pas trop forte, vous entendez bien tout le monde? Mathieu, toi qui es sur le chat, t'entends bien tout le monde? Oui, j'entends bien le chat. C'est vrai que j'entends pas la musique, mais... Vas-y, partage-moi, c'est quoi le... Elle est en ligne, ta playlist? Ouais. C'est 2 heures of punk et alternative music. Comme ça, je m'écoute la zik en même temps, on sera dans le même mood. J'ai pas envie d'être dans le même mood que toi. Mais c'est moi qui suis dans le même mood que toi. Ah, ok, pardon. Bon, dans ce cas-là, ça va. Est-ce que ça marche, ça? Mais pipi, elle a pas peau. C'est un coin. Noir à 3 coins. Mais... Faites gaffe, hein, si vous prenez le dernier, ça va pas aller pour vous. Ça ne sale. On peut pas te dire qu'on a 3 coins. Si. Oh, Wellington. Oh, you're not French. Okay, but you speak French well, actually. Non, j'ai bien compris, c'est juste moi qui savais pas c'était quoi le lapin. C'est complètement de ma faute. Heureusement qu'il y a Mathieu pour me dire ce qui se passe. Je vais peut-être rajouter un peu de lumière dans quelques temps. Il commence à faire bien sombre. Il fait beau en France? Il y a une bonne température? Ah, c'est vrai que t'es pas en France. Tendance à l'oublier. Ça fait au moins 4 mois que j'ai pas été en France, je pense. Pour le... Bah t'es resté un petit peu après le père, bon. Quand même. Ouais, mais... Transpergo... Est-ce que j'y suis retourné depuis là? Ouais, peut-être une fois, je crois. C'est rigolo. Qu'est-ce qu'on fait? C'est toi qui joue, donc... Débrouille-toi. Oh, c'est cool, ça. Oh, franchement, j'adore. Ah, j'aurais pas pensé, c'est génial comme coup. Ah, ok. Ah, bon, bah, très bien. C'est un peu différent... C'est pas les mêmes cas que d'habitude, du coup. C'est ça qui est cool quand on joue avec Marine, c'est qu'elle est très positive et du coup on est là en mode oh, bah, très bien, cool. Ça fait plaisir. J'ai envie de faire ça. J'ai le droit. J'aimerais bien voir ta souris. Oh yes! La vidéo de lance. Ça fait qu'elle m'a déchiré, mais c'est pas grave, c'est contrôlé. J'ai jamais compris ce truc du contrôle. Moi non plus. Mais quand t'as envie, tu dis que c'est contrôlé. Ah ok. C'était donc ça, la solution. Oh, j'avais ma souris exactement là. C'est tellement beau. Mais j'étais en train de regarder si ça marchait ou pas. En fait. Je regarde ton écran en fait. Symbiose, quoi. Mais oui. Mince. C'est.
Oui. On peut dire ça, mais... Nellington dit que le groupe en E16 est un peu faible. Alors oui, il n'est pas au mieux de sa forme, mais il y a des sorties. Franchement, il y a pire. On va pas regarder encore les séquences. Pas en plein Rengo, on fera le commentaire un petit peu après. Solide. Solide. Vous avez vu qu'ils ont sorti un petit truc là, les Coréens, genre il y a sur YouTube. On parle de la télé-réalité. La télé-réalité, ouais. C'est magique. C'est magique. Et ben en fait, ouais, les Coréens ont lancé une télé-réalité de Go. Et vas-y, je te laisse la suite. Attends, hop, un peu de lumière, clac. En gros, ils ont deux professeurs et deux débutants. Et merci pour le follow et Célidan. Ah, ça y est, le site vient par là. Elle est secrétaire, Célidan. Ça arrive. C'est secrétaire. Et c'est pas que secrétaire, c'est la même chose. Oh, et puis il y a Freki, c'est Mickaël. Les autres joueurs peuvent voir la discussion, si jamais ils se sont connectés au chat, ouais. Il y a Mathieu qui le voit, c'est sûr. Et Marine et Tune, vous voyez la discussion, non? Non, je suis pas sur le chat. Dac. Sur la discussion, ouais, moi, je vois, mais je fais pas trop attention. Ah ouais. Il y a Célidane qui vous supporte. Je pense que je vais le ban. Non, mais Célidane nous supporte au quotidien, donc c'est bon, c'est ouais, c'est pas évident. Mais oui. Ils arrivent quand les émotes? Bah écoute, je sais pas, je les ai mis. Tac. Je les ai mis en ligne. Mais je sais pas pourquoi ils sont pas disponibles aux abonnés là. Émoticône d'abonnés, je sélectionne le truc. Non, ils veulent pas de moi. Don't know why I can't have it. Et Sassiagra qui dit vas-y Tune. Et qui dit pas vas-y Machu, je suis trop triste. Ouais, les préférences comme ça. Ah bah c'est pas grave. Ça. Mais ça se comprend. Hein. Allez Tune. C'est compliqué. Ouais. Désolé, mais là. Vous avez un point de merci de Célidane. Ouais.
Ouais, Ellington, c'est ça. A move, c'est un coup. And... The only move, c'est l'unique coup. Et là, il n'y a qu'un coup. C'est, oui, add to. Je pas trop à le faire aller plus loin. Mais... C'est. Ah, le coup peut, c'est jamais mauvais. Ouais, ouais. Bah. Oh. Est-ce que ça marche? Tac. C'est quoi? T'as de l'écho? Camille? Elle dit qu'il y a de l'écho. Qu'il y a de l'écho ou que c'est co qui dit ce professeur? C'est chaud. Ah, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, dit la patate. C'est chaud, cacao. Ils attaquent fort direct, quoi. Hein. Ça qu'on veut voir. Donc, saucisse. Saucisse. Exactement. Saucisse en sec. Il n'y a pas de saucisse. Saucisse. C'est quoi la phrase? Là, je l'ai pas. Je dois t'avouer. Mais Camille a dit c'est chaud parce qu'elle a pas lu. Quand tu lis pas, tu dis c'est chaud, si tu sais régler, t'as toujours un petit peu raison. Moi de toute façon, c'est les premiers coups qui me font le plus peur. T'as toujours une partie du jeu pour quelqu'un qui fait peur. Bah les premiers coups, je sais pas où les poser quoi. Par définition, le kibitzer ne lit pas. Il y a quand même un coup que j'ai envie de faire. Il y a deux coups que j'ai envie de faire depuis longtemps. C'est dommage qu'on n'a pas le droit de jouer deux coups d'affilée. Si seulement. C'est pas le même jeu. Hein. T'imagines en tant que pierre d'handicap, tu joues contre quelqu'un et ton handicap c'est que t'as le droit de jouer deux coups d'affilée à un moment donné de la partie quand tu veux. J'ai vu une streameuse qui a fait un truc où t'as le droit de manger un piment ultra hardcore. Genre piment, je sais pas comment il s'appelle. Là, les squelettes. Non, non, non. Oh, ouais. Les petits oiseaux là, piment oiseau. Ouais, les jalapenos, les trucs comme ça, tu vois. Les trucs qui t'arrachent la gueule et comme ça tu fais passer ton adversaire. Merci, Célidane. Génial. Faut pas jouer ça au Brésil ou à Mexico ou en Amérique du Sud. C'est où les piments les plus forts, c'est quoi? J'ai tendance à oublier. J'ai un cousin qui en cultive, il m'avait montré l'échelle et tout. Et genre, en fait, les piments dont vous parliez, là, les jalapenos, bon, ils sont pas du tout piquants par rapport, enfin, sur cette échelle-là. Ils sont bien, mais il y en a que tu peux juste même pas prendre dans ta bouche. Quoi. Ah, je me souviens, au Brésil, quand ils faisaient le piment, ils nous disaient de sortir de la pièce. Parce que du coup, l'air devenait tellement... T'avais des morts chaque année. Non, mais genre, ça, je sais pas exactement, mais ça devait faire pleurer et autre chose, quoi. Big move, c'est un gros coup. Putain, je pensais pas que vous feriez autant réfléchir. Ok. Oh là là, alors, si vous faites ça. Non mais c'est... Ça va bien aller. Oui. Ah,
J'ai une attaque de chien derrière moi. Ouais, oui, c'est ça. Salut, toi. Bah, dis-moi, bonjour à la caméra. Oh, Kaya. Viens là, viens. Allez, fais un bisou à la caméra. Viens là. Oui. Bon, Kaya. Copain. C'est le plus beau. C'est le plus beau du stream. Chaque fois que je le vois, il prend 10 cm. Ouais, bah là, il était même pas complètement debout. Mais Kaya, par contre, je vais pas pouvoir m'occuper de toi. C'est pas le moment. Mais j'ai toujours peur, si je le regarde pas, il va me bouffer mes carnets et tout. Kaya, il déprime. J'avoue. Ah, on est allé en montagne avec Dominique et toi. Et Argan. Il croit qu'on va le refaire tous les jours. Mais non. T'es sauvé. Bon, et du coup... pas de stage Goeski, c'est sûr. Bah, vu que c'était en février et que c'était début février, bon. Je crois que le topo est fait. Hein. Est-ce qu'on peut faire un stage montagne et ski, du coup? Montagne sans nage et ski. Et go, quoi. Trop triste. On essaiera quand même un jour, de nouveau. Loïc. Ouais, bah c'est pas à nous. Oui, je sais. faut que réfléchir quand c'est à nous. Après, sinon t'as mal à la tête. Ouais. Oh, Marine, on a 8 minutes. Bah, on a 8 minutes de pression. Super. Tiens, Mathieu, tu veux pas me demander à boire? J'ai la gorge un peu sèche là. Non, j'allais faire une autre demande, attends. Oh merde. J'avais vu un autre truc qui était drôle. C'était oh non. Trop tard. Oh non. Oh non. Ça t'a pas le droit. Pas en Rengo. Bon, bah, ok, du coup, vas-y. Bon, à coup. Allez, santé. Cimer. Ok. Ouais, bah, moi je vais prendre un truc à boire aussi. Ce sera un peu plus coloré que toi. Du shampoing. Voilà. Ah là, je suis trop content. J'ai fait mon petit brassin hier. Ça devrait être coloré aussi. Oh, Nellington. Where did you play in France? Avec le petit accent frenchy. Nellington a joué en France. Dans quel club? Lyon et Paris. Je connais un peu moins les clubs de Paris, mais le club de Lyon, il est quand même vraiment très très accueillant. Yep, le tournoi de Lyon, très très cool. Tu l'as fait quand? Hein? Tu l'as fait quand? Je l'ai fait la dernière année, donc il y a 2 ans. L'ultime. Ouais, on a super bien organisé, il y a eu du monde, c'était chouette, bonne ambiance. Bah avant c'était un tournoi un petit peu comme le tournoi parisien, genre assez sérieux et le soir tout le monde repart de son côté. Et c'est vrai que ces dernières années ils sont un petit peu ouverts sur faire des petites activités le soir, sur un truc un peu plus convivial et tout. Et de l'accueil des gens, et du coup c'est vrai que bah, moi c'est plus mon type de tournoi. Je sais que c'est, enfin, c'était pas pour parler sur les tournois parisiens, hein, c'est vraiment pour dire les tournois parisiens sont plutôt sérieux. Et le tournoi de Lyon, bah, c'est vrai que je l'apprécie de plus en plus, clairement. Ouais, perso, j'ai jamais eu trop l'occasion de faire beaucoup de tournois. Hein. J'ai fait le tournoi de Strasbourg, ouais, c'est tout. Marseille, t'as pas fait? Ouais. Non, il a pas existé hein, cette année. Ah. J'ai commencé qu'il y a qu'un an, donc. C'est vrai que t'as commencé il y a qu'un an. J'ai l'impression que t'es dans le paysage d'Hugo depuis genre 3 ans, facile. Ouais, non. C'est marrant. J'ai commencé il y a un an, le gars. Sérieux?
Ah, c'est marrant. Comme Marine, non ? T'as pas commencé il y a très longtemps, il me semble. Un peu plus, mais... Bah, on avait déjà fait le tournoi de confiance 2019, ensemble. Okay. Donc, ouais, t'avais commencé en septembre, Marine, un truc comme ça ? Un peu avant ? En mai, mais j'avais pas en joué mai. D'été. En mai, j'avais joué une semaine, j'avais fait un tournoi, et puis après... et puis, ouais, voilà. C'est ça, c'est, je me rappelle, c'est ça, t'avais fait une grosse pause. Grâce à Cyril, elle a changé d'avis. C'est beau. Cyril. Cyril, c'était notre coloc quand on était au Québec. Bah, du coup, c'était notre coloc quand on était au Québec. Et du coup, elle a changé d'avis sur les tournois parisiens, Camille. Parce que c'est vrai qu'on avait, grâce à lui, passé un bon moment. C'était après le tournoi de Paris. On était allé dans un bar à côté de la Sorbonne avec une quinzaine de personnes. Et mais du coup, c'est lui qui avait prévu ce bar. C'était pas l'orga de base, quoi. Je fais dans les tournois parisiens que s'il y a Cyril. Bon, y a pas que Cyril, mais c'est vrai que c'est un amour. Ici, c'est solide. C'est bien, on fait du tai chi, il y en a qui vont à gauche, on va à droite, pouf, qu'est-ce qui se passe? Pour éviter le fight, hein. Ah bah c'est pas mon truc le fight, hein. Je dois avouer. Fight tout. Non, c'est fatigant le fight. C'est fightigant. Hey. C'est fightigant. Et on voit après. C'est ce qu'elle a dit, ouais. C'est-à-dire qu'elle veut que je coupe. Je n'ai pas dit ça. Je me suis dit que si vous jouez D5, c'est pas inutilement. Enfin, c'est pas inutilement. Ah, oh, je voulais faire... Ouais, triste, je voulais faire un autre truc, hein. Je voulais pas que vous répondiez. Triste. Mathieu, il a peur. C'est un couard. J'étais en train de lire une suite qui me faisait trop plaisir, puis hop, il a tout gâché. Bah ouais, mon but c'est de vous emmerder, c'est connu. Mathieu, il a pas peur. Mathieu, même pas peur, c'est pas vrai. Même pas peur. La peur, c'est pour les faibles. À méditer. Tu nous rediras ça quand on t'aura coupé.
t'aura coupé ou quand tu nous auras coupé? Quand on vous aura coupé. C'est pas forcément moi qui coupe, hein. Faut arrêter. Marine, elle sait très bien faire. Donc c'est pas forcément toi qui a joué Q13. Qui a joué Q13? Bah il était là, il me faisait de l'œil, bon voilà quoi. Alors, en même temps, mon Q12 c'était à l'origine, je me suis dit peut-être plus tard on peut couper quoi. Alors, parce que maintenant du coup tu fais pas que les coupes, tu fais les préventions de coupes aussi. On est mal barré. On est mal barrose. Eh oui, il me manque de la musique là, c'est pour ça que ça va pas. Tu l'as pas la musique? C'est que ton nom de playlist, j'ai juste pas réussi à le retenir au moment où tu étais en train de me le dire. Donc... Ah, mais je l'ai envoyé sur la. Sur Nextstream, dans la boîte bleue. La boîte bleue étant mon petit coin perso. Coucou. Nextstream, c'est quoi ça? C'est le truc où j'ai mis où est-ce qu'il fallait se connecter et tout ça. Sur la boîte bleue, c'est le seul truc où il y a du blabla. Mmh. C'est mêlé. Non. C'est le truc de punk et d'alternative music. Ça a l'air d'être vénère. J'avoue que je connais pas trop les artistes. Mais bon, Twitch après, il coupe un peu les sons si jamais on met du. Des artistes Deezer et compagnie, enfin des trucs. Parce que c'est pas libre de droit en fait. Ce qui est normal. Ce qui semble naturel. Ouais. Ouais. On a envie de les rémunérer nos artistes quand même. Ouais. Eh ouais. Eh ouais. Mais je peux pas me payer les droits de tout le monde. Eh ouais. Mais tu sais que c'est. Il y a apparemment Twitch qui est en train de travailler sur ça. Ouais. À ces streamers de pouvoir bénéficier de. On sent le pro streamer en face. Pas du tout. C'est OK qui m'en parlait comme ça, je trouvais ça malin. Ah ok. Ouais mais bah du coup j'ai téléchargé le petit logiciel mais ils ont pas grand chose pour l'instant. C'est un peu pauvre. Bah, c'est parce que je pense que c'est le temps qu'ils fassent tous les partenariats avec toutes les maisons de disques et tout. We will see. J'ai l'impression que je vais être trop gentil en fait. Un problème. Je me demande c'est quoi le prochain coup. Après ce genre de parole, je me demande c'est quoi le prochain coup. On voit que un coup gentil et du coup c'est pas cool. Un coup gentil, c'est pas cool, mais un coup gentil peut t'en cacher un méchant. Par attention. Ouais. Un train peut t'en cacher un autre. Ouais. Ouf. Ouais. La connexion solide ou. Tapé. Il n'y a pas tapé. A pas tapé. Okay. Voilà, c'est funky comme Zix. Bah, c'est cool. Allez, on va pousser le bouchon un peu plus loin. Et Maurice, calme-toi. Hein. Montez le micro, montez la zic. Où est-ce que je fais ça, moi?
Je le fais là. Ils peuvent rien faire. Elle voit tout. Putain, Sassia, faudrait que je joue avec lui aussi. Ça serait cool. Ok Camille. Bah bonne partie. Bonne partie, mais oui, toi. Bonne... C'est l'heure, bah ouais, c'est l'heure de du Yung Seng. Oh là là. Tu joues avec qui, Camille? Je sais pas si elle est pas déjà partie. Césari, ouh, ça va s'envoyer. J'ai bien envie de voir ça. Césari, il est un peu instable, mais genre il est facile 4 dan. Il est quand même bien solide. Ciao Camille. Ciao. À tout à l'heure, je t'envoie le chien. C'est le chien porte-bonheur quand on joue les parties. C'est un peu ça. Son live pour pas grand chose. Il est complètement inerte. Par contre, vous, ouais, vous, vous inquiétez pas si jamais il commence à aboyer un peu derrière, c'est juste qu'il rêve. What? Il aboie en rêve? Ouais, il bouge les pattes, il fait genre il court et tout. Non mais il fait genre il court, c'est un chien quoi. Mais non mais en train de dormir. Que je l'entends grogner. Ça va être trop stylé. Ouais. Il a pas dû aimer mon dernier coup. C'est moi ou ta cave elle est bloquée? Ma cam? Non. Non non c'est toi. Enfin... Ouais c'est rigolo. Du coup j'ai la cam qui est bloquée. Bah non c'est... Enfin moi je me vois bouger. J'ai le dos droit. T'inquiète pas. Ah ouais. Bah non mais c'est pour ça parce que ça s'est arrêté à un moment où, où t'avais pas le dos droit. Ah... Et pourtant. En fait, la meilleure partie du jeu, c'est la fin, quand les autres sont en biomi et que nous, on a encore 10 minutes. C'est quoi le bio? Le biomi, ouais. C'est 3 fois 30 secondes. Ça va. On n'a pas mis une minute parce que bon, faut quand même terminer quoi, les parties. Hop. Ah yes, la casquette. Ouais. Là, je fais streamer bon. Ou pas? Beau gosse. Florida pour les copains états-uniens. Enfin, après, ils sont pas tous en Floride. Missouri Power. Ça, c'est de la forme. Qu'est-ce qui se passe? À fond, la forme. Exactement. C'est des caps, non? Ouais, mais j'arrive pas à le faire marcher ce coup. C'est... D4, C4, Big 3. Marche pas très bien. Elle est focus essaye sur de... capturer des pierres. La classique. Essaye, on est en bio. On est en bio. On est en bio. Allez, yep, allez. En bio. La malédiction du bio, ça va sur toi. Excusez pour le son, je sais pas si. C'est oh, cool. Trop cool. J'adore les croquettes. C'était saoul. C'était un peu sûr. C'était surréaliste. Franchement, c'est stylé.
Oh, j'ai trop envie de faire un coup juste pour la beauté du coup, j'ai le droit. Je veux voir ce que c'est, ça m'intrigue. Désolée, mais... J'aurais pas dû, désolée. Ah oui, alors là, il y a un arrêt sur image. C'est... What the fuck. Ah. Non mais... Allez, j'ai mis ferme ta bouche dans les dans les trucs Twitch. Intéressant. J'aurais peut-être pas dû. Intéressant. Intéressant mauvais, mais oui. J'aurais peut-être dû réfléchir un peu plus. Désolé, je vais réfléchir à partir de maintenant et faire des coups un peu moins rigolos. Moi ça me va quand tu fais des coups rigolos. Hein. Aucun souci. Tu m'étonnes. Gun. Bon, cette musique est forte là. Satya qui se marre. Don't mock us, Satya. Non, ceci n'est pas une forme de la fleur. Hein. On est... Non, mais c'est autre chose. Il y a du style, il y a du style. C'est la forme de l'arbuste. Du feu follet. Bon, ça donne quoi toutes ces bêtises là? Je sais pas pourquoi j'ai. Aujourd'hui, je teste des trucs. C'est peut-être pas la partie pour. Mais... Oui, on peut toujours faire des autres trucs plus tard. Oh non, j'ai cliqué. Yo. Attends, ouais, prends moins de marche. Ah oui, vous avez pris une période, ouais. Il faut que je clique à 10 secondes. Ouais, prends plus de marche, pardon. Pas moins de marche, plus de marche. Mais je fais toujours l'erreur hein, sur KGS, hein. Ça me saoule. Bon, tant qu'à faire, ça fait un Atari gratuit. Hein. Tant qu'à faire, c'est un Atari gratuit. Attention, ce qui est-ce gratuit... Est-ce qu'il est si gratuit que ça? Mais oui, c'est gratuit, ça. Ce qui est gratuit est gratuit. Wow, une petite musique cool, là. Ça donne envie de danser. Là, c'est gratuit que ça, hein. Ça mange pas de pain. C'est ça, Satya. Bon, ça commence à devenir chaud, là, la game. Hein. Ah bon? Tu dis ça parce que t'as plus que 7 secondes? C'est à moi de jouer! Ah non, c'est à Tune. Ça va. J'ai eu peur. J'ai eu peur! Ouais, tu peux avoir peur, mais... Ah, parce que j'étais parti pour. Tu vas pas aux toilettes maintenant, c'est trop tard. Hein. Non, ouais, c'est pour aller aux toilettes, c'était pour me rouler une clope, mais. Ah, moi je vais peut-être prendre mon temps, hein. Je vais peut-être y aller, tiens. Bing. C'est bien, oui. Bing, bing, bing. Bon, bah, on
on réduit le centre hein, avec deux ponuki. Alors on sait jamais si... des ponuki n'importe quoi. Deux gueules de tigre. Mais on sait jamais si c'est des gueules de tigre ou des B2. Ouais, c'est... ça peut vite se transformer, c'est comme ces cochonneries là. Elle me fait rire cette forme quand même. Cette pseudo-fleur, arbuste ou je sais pas quoi. Ouais, faudrait lui donner un nom. Est-ce qu'elle est conventionnelle lui... ouais. Non. Non, en fait, pour lui donner un nom, faut qu'elle soit soit très bonne, soit très mauvaise. Et là, oui. Je, non, je t'assure que. Alors, ouais, alors, ça, je proteste, oui. Alors, je propose qu'on attende de voir ce que ça donne pour lui donner un petit nom après. C'est pas faux. Selon le résultat, on verra. Après, ça peut être un arbuste d'automne, hein. Genre, il perd ses feuilles, quoi. Une opération spéciale Jardiland. J'avais pas pensé à ça. Mais en même temps, c'est la période pour commencer à s'occuper de nos jardins, donc en effet. Là, on va voir ce qu'elle va donner, la forme. Ouais. Ouais, je suis pas méga d'accord avec ce qui est en train de se passer, là. Ah, c'est trop marrant, en fait, depuis tout à l'heure, je crois que je confonds Satya Gra avec, avec Satya, le mec qui stream avec le lion. Mais non, c'est c'est Louis. Oui, c'est ce que je dis, je pense que depuis tout à l'heure... C'est Cordon Bleu. Cordon Bleu, ah. Ah, c'est Cordon Bleu, faut lui dire coup. Du coup, je dis pas en anglais. Bah oui, mais bon, Cordon Bleu, il a 15 000 pseudos, même sur KGS maintenant, c'est plus secours. Cordon Bleu. Je me dis, il est difficile à saisir. Putain, franchement, il est du Missouri, il connaît changé. Jardiland, quoi. Putain, solide. J'avoue. Ce mec, il est même pas de France, il connaît Jardiland, quoi. Oh là 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 là. Il y a des... Trop strong, quoi. Bon, ouais, on coupe. Ah. Bon, il faut, on verra après ce que ça donne. J'hallucine. De quoi? Non. Le délire du gars qui est pas français qui connaît Jardiland. Voilà. Ça aurait pu. C'est rigolo. C'est cocasse, hein, je dirais, c'est cocasse. Et t'as plus beaucoup de secondes. C'est pas à moi de jouer, hein. C'est pas faux. Alors c'est le moment de lui trouver un petit nom. Hein. Ouais, bah, ça a pas l'air, je sais pas. De quel oh, arbuste Je sais pas, je m'y connais pas beaucoup en plantes, faut que je demande à mon coloc. Mais peut-être que Louis il connaît bien, tu connais bien. En fait, l'arbuste ça va bien parce que du coup juste après il y a eu une forme de la fleur, donc du coup. C'est pas faux. Le rhododendron. C'est peut-être l'arbre fruitier ou un truc comme ça. Hein. Carrément fruitier. It's a girl. Moi ça me va le résultat. Je suis contente. J16 était bien sûr prévu tout en avance. On va dire ça. Le partner. Non, ce sera pas un B2. Bah non, ce sera pas un B2. Bon, on fait ça. Oh, quoi que. Ouais, non. Sinon, on va C'est amusant tout ça. Bon ben,
Ça ressemble à une partie de Yossé, tout ça. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, on va faire ça. Ah. Ouh. Si je m'attendais. Alors ça... En plus, c'est à moi de jouer. Nous avons le premier coup... Comment je pourrais le nommer ? Ultra-violence. Ouais, c'est ça, plutôt. L'ultra-violence à l'état brut. Donc du coup, ce sera peut-être pas une partie de Yossé. C'est ça. J'ai peur de ne pas avoir tout lu. Ouais. Je voulais jouer vers là, moi. Mais bon, je voulais pas ne pas répondre à O4 quand même. C'est vrai que ça, c'était gros là-haut, tiens. O4, c'est santé, oui. Oui, c'est pour ça. Mais j'avais envie de faire genre... Ouais, je sais pas. En fait, je savais pas entre R16 ou S17, lequel était le mieux. Enfin, genre, avec R16, est-ce qu'on capturait vraiment la pierre? Ça m'avait l'air, quand même. Ça, nous y répondrons la prochaine fois. Bon, pourquoi c'est toujours à moi de répondre à ça? Est-ce que c'est Thune qui pose des questions? Pour le Ringo. Ouais, c'est pour ça. En même temps, j'ai pas envie de faire ça, c'est moche. Pour l'amour du Ringo. C'est vrai qu'on l'aime, ce Ringo. Trépidant, trépidant. Je vois un coup où il est proche. Mais je vois pas trop The coup, tu vois. D'habitude, t'as un coup qui est trop bien. Qui brille de mille feux. Là, c'est moche, mais c'est pas grave. Des fois, les angles vides, c'est pas mauvais. Des fois, il faut faire des angles vides. Enfin, des fois, faut pas. Que va-t-il se passer? Mais arrêtez de jouer sur deux parties là. Bah écoute, on dirait que non. C'est pas drôle. Propose avec Loïc on joue là-haut et vous deux vous jouez en bas. C'est ça, démerdez-vous. C'est pas ça cool. C'est pas du Ringo, ça. C'est du deux parties sur une seule partie, mais c'est pas du Ringo. C'est ce que peut devenir la Malina qu'on a pu en soutien à notre petit Loïc. Oh l'autre, comment tu parles? Un peu de respect, s'il vous plaît. Quoi? Ça peut faire un coup? Allez, qui a pas un meilleur coup quand même? Non, mais est-ce qu'on a des menaces de coup? Telle est la question. Allez, à la tienne, Mathieu.
Comment tu récupères autant de points? Oh, attends, c'est à moi là. Bon, je vous laisse faire l'animation 2 minutes. Il m'a fait boire beaucoup trop le Mathieu. Oh. Viens Mathieu. Tu veux, c'est à toi. Ouais, je sais. J'ai attendu un peu la dernière seconde avant que... Ouais, en fait, j'avais pas réalisé qu'il était... On peut pas leur rajouter juste 1 minute. Bah si c'est 1 minute, c'est 2 périodes. Vite Loïc, vite, cours. Cours. Allô. Je t'ai joué un coup sympa, vite, dépêche-toi. Oui, c'est vrai qu'on est tombé en bio-yomi nous aussi, tiens. Mais c'est pour ça, je t'ai fait un petit coup fair play, tu vois, facile quoi. C'est pas si j'aurais bien. Pu faire un truc un... Bah... Non, j'aurais pu jouer un peu plus tricky. Ça te ressemblerait bien. Moi ? Ouais, toi. Triple muse. Moi ? Ouais, toi. Comme c'est intriguant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tac, tac, tac. Ok. Attends. Et boum.
Ah oui, mais si je tape mon écran, en fait, en tactile, il y a la caméra qui bouge. Qui attaque qui ? Mais j'en ai aucune idée, là. Je sais pas si j'ai bien le tac. Non. Je sais pas. Un petit combat en biomie, c'est sympa. J'avoue. Tu disais quoi sur l'UOC tout à l'heure, Mathieu? Bah, c'est ce que je t'ai dit, c'est fini, il n'y a plus d'UOC. Ah, on a perdu une période, crotte. Ah mince, putain, j'ai pas. Je croyais avoir cliqué largement à temps, mais pas du tout. C'est chaud. C'est un peu gros quand même tout ça. Je propose qu'on. Mais à droite, c'est mort. On n'est pas jusque. On a un œil, deux yeux. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Putain, c'est hyper stressant le son. Allez. Alors. On va commencer par là. Ah, il joue solide. Solide ou? Je vois. Bon alors si on compte ça donne quoi? 3, 4, 6. Marine? Oui. Je propose qu'on abandonne cette partie. Est-ce que tu penses qu'on peut tout renverser ou... Ça m'a l'air compliqué quoi. Ça semble un peu chaud, ouais. J'ai pas trop d'idées ouais, particulières. Ouais. Pour moi, on avait l'œil au début et puis... Transformer sans œil. Ah la merde, je t'ai laissé un... Hein bah, pourquoi t'as rajouté une minute? Bah parce que vous étiez en pleine réflexion. Ouais non, bah non, tu t'inquiètes. Je vais rajouter une minute. On n'arrive pas à tuer les 5 pierres en M3 là. Si. C'est jamais. Y'a pas moyen de niquer, tuer tout le goban en haut là. Ouais, ça va être le but. Ouais. On vous rajoute une... Bah, t'as déjà fait. J'ai déjà fait, ouais. Nickel. Ah, c'est fair play, c'est fair play. C'est... Mais oui, ça fait plaisir. Mais ouais. Je vois pas grand chose...
Wait. Ouais. Yep, ça c'est gros. C'est gros, mais... Ouais, je suis d'accord, on a un bonhomme. Mais ça, tu parles. Bah, merci pour la partie. Je pense que... Hop. It's a resign. Ouais, Tune, t'as gagné une partie. Ouais. Bravo, bravo. Wouhou. La première en une éternité. Bah, merci toujours. Pour la partie. Merci pour la partie, tout le monde. C'était GG. Bon, on a un badge quoi, foudre. Non, vous avez bien... Tout le monde a bien joué, je pense. Il y a deux coups qui m'ont fait un petit peu sursauter. Mais c'est tout. Mais t'inquiète pas. Enfin, sursauter, ça veut pas dire je vais venir te chercher, je vais te dire... Ah, c'est pas... Non. Ah, bah, quelques heures. Nickel. Pas en plus. Ouais, voilà, je suis un feignant. Sinon, je l'aurais fait, évidemment. Non, c'était très très cool. C'était très très cool et purée, ce coup-là, il m'a étonné, mais en fait, il est super chiant à répondre. Ça paraît être le coup le mieux pour faire, mais je vois pas trop de bonnes continuations après ce genre de truc. Ou même votre continuation, ouais. Attends, tac tac tac. Ouais, nous on a joué là. Ah oui, c'est parce qu'on a joué un peu n'importe où. Et en fait, je pense que il y avait un Atari vers le bas qu'il fallait peut-être pas faire. À quel moment? Là, non, tu penses faire autre chose. Un peu plus tard. Même ça me paraît. Non, pour l'instant, ça paraît OK. Ouais. Alors ici, a priori, il faut mieux connecter. C'est plus solide. Mais au final, on a vécu tranquille, quoi. Donc c'est pas grave. Moins bien, mais... Et là, je pense qu'il faut prendre le coup, quand même. Là, il faut... Ouais, j'ai hésité. Là, il faut mieux faire ça. C'est plus c'est le gauche. Du coup, au 17, ça devient un faux œil. Ça dépend. Au 17, pardon. Non, mais t'as juste à descendre en S18. On est d'accord, ça va vivre, mais... S18, ouais. Mais c'est pas un faux œil, là, du coup. Si jamais... Ça, c'est un vrai œil. Ah oui, non, mais il faut capturer les pierres. Si noir arrive à capturer la pierre en N18. Oui, si jamais on laisse faire ça comme ça, oui, là c'est foutu. Enfin, là, il n'y a pas deux yeux. Il n'y a même pas un œil en fait. Bah, enfin, s'il y a un œil, il n'y a pas deux yeux. Si on joue au 15, on a. Ouais, mais il faut qu'on joue en fait. À ce moment-là, il faut qu'on joue à deux points en même temps. Hop là. Ah. Faut que je me réhabitue. Voilà. Il faut qu'on joue là et là en même temps. Et du coup, c'est un poil compliqué. Tu vois? Ouais, je vois. Et puis après, donc là, tac, tac. Là, je pense faut jouer simple. Faut jouer simple et juste connecter, ça semble OK. Noir va rajouter un coup. Et on peut l'alourdir un petit peu de cette manière. Okay. Je sais pas si on peut pas faire un truc du genre. Ouais, non. Ça a pas l'air faisable. Tac, tac, tac. Non, mais ça vit a priori. Mais au moins, nous, on sort un petit peu plus fort, quoi. Ouais, ok. Est-ce que tu peux montrer T11 ? Comment tu dis ? T11. Ouais. Si noir fait... Ouais, voilà. Non, si noir fait S10 avant. Si noir fait c'est S10. Tout. Ah yes. Si noir fait S10, tu peux aussi bloquer comme ça, je pense. Et là, noir prend. Tac. Il faut qu'il revienne par là. On peut faire Atari. Et là, on peut descendre. Yep. Donc même s'il y a ça, on peut faire Atari. Et du coup, c'est OK.
Donc là, Thune, très très bon choix d'aller autre part. Je crois que c'est Thune hein, qui est allée autre part. Ouais, elle est allée un plus haut, ouais, c'est ça. Ici, ouais. Mais non, mais moi, ce coup m'a désolé. Ouais, t'inquiète, je comprends, ça fait un peu peur. Du genre, on peut se dire, et si il vient là? Ouais, celui-là aussi. Tac, 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 tac. Et ça, ça revient un petit peu au même. Il y a un problème de liberté. Dans l'idée. Mais c'est pas hyper évident, je suis tout à fait d'accord. J'ai bugué aussi. Mais ça avait l'air ok. Ouais, j'avais envie de répondre C4, mais en même temps. Et donc là, en haut à droite. Là, tu peux répondre ce genre de truc aussi. Ouais. Ou peut-être juste prendre les points, c'était pas mal. Mais je comprends que t'aies eu peur, hein, ça, enfin, y a pas de souci. Ce qui est cool, c'est que ça nous donne... Ah. Merde. Ça nous donne la suite après. Ça nous donne ça après, qui est gros, hein, quand même. Peut-être qu'il faut qu'on échange ça pour ça. Avant. Ouais. Mais là, ouais, du coup, on coupe, tac, tac, tac. Là, on aurait peut-être dû descendre noir, d'abord, en fait. Noir peut peut-être couper. T'avais peur de ça, Mathieu? Bah, je me dis que dans tous les cas, il va falloir protéger ici, quoi. En fait, on aurait dû descendre dès le début. Dès que vous avez fait F2, on descendait. Comme vous veniez de le faire, vous auriez répondu, et puis après, on faisait la suite, quoi. Et je pense que tu peux faire ça, non? Yep. Et même si Blanc se renforce, bah, il a toujours un problème ici. J'ai comme l'impression. Peut-être pas directement, mais... Et si jamais... Bon, en fait, dans l'idée, je me disais que... De toute façon, si je renforce ici, ça peut être... la coupe peut être que plus violente. Et si vous avez besoin de rajouter un coup, étant donné que le centre, il va être un peu damé vu l'influence qu'on a, et que nous, on vous pète l'endroit où vous avez le plus de points... Ça va. Donc, c'était... Ouais, mais la connexion, ça me paraît un peu lent. À la limite, ça, non? Ouais, parce que t'as moyen de vivre, en fait. Et puis du coup, on a vu avec O4 après si que par la suite. Même si c'est coupé. Tac, tac. Ça marche pas. Tu fais un double Atari? Je trouve que ça fait quand même pas mal de coups SNT, quoi qu'il en soit, autour même. Ouais, je sais pas, t'as raison. Hein. T'as peut-être raison. Peut-être que ça tue. Peut-être. Mais Noir peut faire la coupe. Non, j'aurais commencé par l'autre, moi. Ouais, ça revient un peu au même. Blanc a trop de faiblesses, je pense, pour jouer comme ça. Mais ça veut dire que n'importe quelle coupe tu vas avoir va être senté sur cette coupe. Alors que si juste je protège directement. Ouais, mais si tu protèges, tu peux descendre. Tu vois, si je joue n'importe quel coup, bah du coup tu joues n'importe quel coup aussi. Et ouais. Bah là, t'es... Je me dis que... En fait, l'idée, c'est que peut-être que j'ai pas envie de jouer ce coup de Yossé et que je préférerais m'étendre en face, quoi. Ah, Thune ne nous entend plus. Je peux plus vous entendre. Comment ça? Elle a écrit sur Discord? Non, mais peut-être qu'elle est occupée ou elle est partie ou je sais pas. Non? Ouais, elle avait un petit... un séminaire. Ah... J'ai réfléchi au coup F7, mais je l'aime pas parce qu'on peut quand même couper en étant noir. Pas vraiment. Parce que t'as Chicho. Donc ça c'est ok. Blanc protège bien. Mais dans certains cas, tu peux couper quoi. C'est très très rare. Là c'est un coup un petit peu plus actif. Je pense que ici c'est un coup qui est ok. Qui est jouable carrément. Mais je pense que tu peux aussi tout de suite approcher là-bas. Et okay. S'il coupe, tu viens là.
Et s'il vient là, bah. Mais j'avais pas la faute. T'épouses. Ah ouais. Et là, Noir, il est pas non plus en super forme. Bah, ouais. C'est pour ça, tu vois, je trouve que la coupe, en soi, vu que t'es quand même vachement strong juste en face, au final, t'as qu'un groupe à gérer vraiment, et tu vas faire des points. Ouais, c'est ça. Mais tu veux dire avec la connexion E2? Bah, ce que je veux dire, c'est que j'avais pas l'impression que la coupe, en soi, elle était si violente que ça, quoi, pour Noir. En tout cas, telle qu'elle sur le plateau, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais... Mais dans cette situation, il n'empêche que je préfère avoir ta pierre là. Bah maintenant que les échanges sont faits, oui. Et c'est pour ça en fait, enfin c'est à cause du maintenant que les échanges sont faits que E2, on n'a pas envie de le rajouter. Tu vois? C'est justement ce qui nous permet de voir que E2 en fait, bah il nous plaît pas tant que ça. Du coup l'attaque, ouais ça c'est cool. Ça c'est cool. Non l'attaque elle est bien menée. Peut-être qu'on peut jump même le coup d'avant, je pense. Ouais j'ai réfléchi. Mais... Paf. Juste, juste comme ça. Et si okay. Noir fait F14. Si Noir fait F14. On se fait F15. Paf, paf, paf. Et là, c'est Noir qui va avoir des problèmes. Même. Ouais, il va y avoir des petits trucs qui vont commencer à poindre. Genre G18, des trucs comme ça. Mais... Ouais, malheureusement, en fait, vous êtes quand même vraiment fort, quoi. Et je voyais pas trop de justement le G18 qui a ça, mais du coup, on est obligé de connecter. Et en fait, G18, il est pas si fort. J'ai l'impression qu'on est un peu dans la merde quand même. c'était pas évident. Donc la gueule de tigre, peut-être que c'était le bon moment. J'ai vraiment envie de jouer là. Non, mais en même temps, c'est le premier coup temps, que j'ai vu et après je me suis dit... On était un peu dans la... Enfin, un peu... Ouais. Ah, c'était un peu rude. Je me suis dit, ah, c'est beau, c'est 10. Mais bon, la gueule du tigre, il nous la laisse. Ça va nous aider, quoi. Après, il faut voir que, bah, comparé à l'autre coup, là, on est vraiment plus actif et du coup, il est Noir est presque obligé de rajouter un coup. Alors que dans la version où on jump direct, tac, 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 là, Noir n'est pas obligé de rajouter un coup. Du coup, peut-être qu'on pouvait jouer ailleurs, mais c'est un peu difficile. C'est vrai que le premier réflexe, c'est d'embêter cette pierre. Et puis là... Ah, là, c'est pas possible. Juste faire D9. D9, ouais, d'abord celui-là. Tac, tac. Ouais. Et connect. Et ouais, donc connect. C'est 9, un truc comme ça. C'est pas mieux la prise directe ? Si, probablement. Paf. Ça change pas énormément à ce moment-là, ça changera pour l'IOC parce que t'as ça. Ouais. Mais du coup. Ça veut dire que Blanc, il a ça aussi. Yep. Je saurais pas trop dire ce qui est mieux. Mais ouais, ça fait mal. Ça, c'est, désolé. C'est pas grave. Je sais. Pas bah, maintenant. C'est un traverse. Enfin, celui-là, il m'a laissé... Il y a trop de... J'ai eu la mâchoire qui est tombée, j'ai fait... Oh, je m'y attendais pas. Mais je suis content que tu joues encore des choses auxquelles je ne m'attends pas. Bah, il faut remettre un peu de nouveau de temps en temps. Et ici, c'est pareil, il vaut mieux prendre direct. Prendre... Je pense que vous pouvez rajouter tranquille. Continuer. Est-ce que... Ouais, vous aurez ça plus tard en plus. C'est un peu terrible s'il se passe ça. Enfin, c'est un peu trop bon pour Noir. Et là, vaut mieux faire Atari, Atari. Voilà, Atari. On oublie les problèmes. Ouais. Et ensuite, on va jouer ailleurs. Ok. Paf. Et on se fait les formes. Ouais. Et là, au final, ça a un peu surconcentré Noir, même s'ils auraient pas dû avoir cette forme. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu?
Ouais, c'est vrai que... Oui, vous dites. Quoi, fait-il Oui, bah, ils avaient un coup de plus dû à la c'est... gueule du tigre pour sauver, c'est... enfin, pour aider le groupe. Ça laisse moins de merde. Hein. Et là... La noire aurait peut-être dû continuer. Ouais. Mais ouais, c'était un peu le but, non? Il me semble que c'était le but, ouais. Il me semble que c'était le but. On est vivant, mais du coup, noir et heureux. Ouais. Parce que, ouais, même le année, là, il est SMT. Du coup, B13, ça nous ferme le territoire. B13. Ouais, parce que B13, il est SMT pour nous. Enfin, non, il est pas SMT pour nous, mais... Ah, le retour de Tune. Je pense que j'ai fait plus d'erreurs que toi. Désolé, j'ai loupé des trucs. Pas de trouble, t'étais au séminaire? Ouais, c'est ça. Tac. Ça va, ça s'est bien passé? T'es arrivé à suivre les deux en même temps? Non, pas du tout. Du coup, j'ai dû faire genre que je comprenais tout, mais... Mais là, je pouvais pas faire semblant parce que... C'était après à cause de la racine carrée, c'était à cause de la racine carrée. Ouais, c'est toujours la même. toujours la même. Non, mais en plus... à la, ouais. Cette conférence-là, ils font au bout des 5 minutes... Ouais. Il y a quelqu'un qui se met à... Enfin, nous mettre dans des petits groupes de 5 pour discuter de ce qui s'est passé. Et du coup, ça, c'est violent. Ah, merde. D'où l'imprévu. D'où l'imprévu, quoi. Ouais, c'était super, j'ai adoré. Allez, ouais, bisous. C'est un peu ça. Non, j'avais pas trop de questions, non. Non, c'était très clair. Oui. C'était parfaitement clair. Hein. C'est un peu... Ouais, je sais pas comment t'as fait pour jouer et jouer aussi bien en même temps que suivre un séminaire. Ah bah j'ai pas fait attention du tout à ce qui se passait à droite. Hein. Ah oui d'accord. Ah, moi c'était à gauche le chat. Et j'ai essayé de faire attention. Est-ce que j'ai loupé des trucs dans le commentaire? Bah écoute, ouais, t'as joué super bien. Et puis on a fait des bêtises. C'est vrai que j'ai dit une ou deux bêtises que Marine avait fait, mais ça commence avec ma bêtise ici. Laissez ça, jamais de la vie. Blanc, alors, faut qu'il vienne. Ça m'a fait bugger, je me suis dit c'est un quill devant rien. Donc ça doit être jouable. Ouais, normalement c'est plus. Non, c'est pas bon. Mais c'est pas le même début que le truc de l'avalanche, je crois que ça s'appelle, non? Non. Non, mais faut juste que je pousse, je pense. Ouais. Non, peut-être la coupe est peut-être ok, mais je pense vraiment celui-là, c'était coupe, mauvais, j'ai juste bugué en fait, j'ai juste trop bugué. Et ensuite il y a le clamp là, si on veut prendre la direction, non? Ça là? Super, ouais. Tac tac tac. Pas trop. On a le chichon, non? On peut descendre. Je crois pas qu'on ait le chichon. Je vois une belle pierre blanche en D16. Oui, c'est une chose, mais... Et c'est le moment de lire les chichos. Moi, j'aime pas lire les chichos. Mais en vrai, j'ai vraiment l'impression qu'elle est sur la trajectoire. Et non, parce qu'il y a la pierre noire aussi. Ça ne marche pas. Ouais. Faudra que je regarde ce que fait ma tête quand je lis un chicho. Peut-être que je ferai un clip pour voir. Ça donne des torticolis. Mais non, mais on a un Geta, non? Malheureusement non, parce qu'on est en Atari si jamais on fait ça. Ah. Y a le clamp, mais du coup, c'est quoi le bon coup? Bah, tu tournes et tu prends le bord droit. Paf. Ah ouais? Tu fais pas Atari de l'autre côté? Ah ouais, non. Si tu fais Atari de l'autre côté, du coup je descends. Non. Je pensais sur le pierre. Mais t'as raison. Parce que sinon les deux pierres elles vont mourir. Oui. C'est l'idée. Non, je pensais à AP3. Oui. AP2. Et
Et c'est comment? À chaque fois je me plante, c'est celui-là. Oh. S7, il a l'air bien, là. Celui-là. Ça a l'air ok, mais dans ça. Ce cas-là, il a bonne année peur, non? Oui, non, c'est juste pour voir, du coup, ce qui va pas, quoi. Je savais qu'il y avait un truc avec une coupe, mais ça a l'air d'être ça. Et du coup, ce début, il est pas ouf pour blanc, ouais. Pour blanc. Tac, tac, tac. Mais c'est complètement ma faute. Désolé. Non. Et le truc dont on parlait, c'est ce genre de choses. Ah, mais je l'ai vu dans Hikaru no Go. Ah ouais. Je crois qu'à un moment, il joue ça. C'est pas la partie avec Ochi. Ça, faut pas demander. Un truc comme ça, quoi. Enfin... Ouais. Et là... Là, j'ai voulu faire... Ah, peut-être ouais, ça. Ça fait une table. À la limite, tu peux avoir ce genre de truc aussi. Ah, mais j'aimais pas, justement. J'ai regardé E17 et j'aimais pas. Mais là, c'est pas ouf. Je l'ai joué face à Denis l'autre jour. C'était pas ouf et finalement, c'était re-ouf après. Mais... F16. Et... Oui, F16. F16 et après, tu rentres dedans. Tu peux pas couper, là. Ah, j'ai hésité, en fait, mais... Bah, t'as mis ma fonte à pied en F17, non? Ouais, mais en même temps, t'as ton coin. Ouais, franchement, moi, c'est ce que je lisais. Après, quand t'as fait l'autre côté, j'étais ok aussi, hein. Pas de chaud. Parce que là, du coup, tu fais Atari. Tu fais d'abord Atari en C18, en C18, non? Oui, d'habitude, tu fais plutôt Atari. Et en fait, par rapport au Joseki, blanc... Pourquoi tu fais Atari au lieu de... Bah, parce que tu le déformes. Tu le déformes. Bah non, c'est pas gratuit, parce que... Parce que derrière, si blanc on peut répond prendre. Pas, tu ne coups. Ouais, c'est non, ça, mais blanc peut prendre des vivres. En vrai ouais. cette forme-là, je la comprends aussi. Ça se joue aussi parce que du coup, ça rend la pierre un petit peu active, F17, et il n'y a toujours pas d'œil pour blanc. Donc j'avoue que j'aime pas trop mal ce coup-là. Mais probablement, ensuite, faut venir embêter cette pierre. Ouais. Tu disais, Ouais, donc Joseki classique. Vas-y, je te le passe. Le ça... contrôle. En fait, le seul truc qui me fait dire ça, c'est que, bon, déjà quand tu fais ça, normalement, tu es censé te connecter ici. Ouais, si tu connectes derrière, ok, mais après. Oui. Bah, en fait, c'est exact. En fait, l'idée, c'est la même chose, c'est que toi, là, t'es goté. Et si tu fais ça ici, t'es goté. Ouais. Et là, t'as juste fait l'échange B18 contre D17. Parce que, en fait, ce qui me fait dire ça, c'est que dans le jeu sec classique, ça se passe ça. Ça. Et Nord, il s'y connecte. Ah ouais, la Nord est ici. Ouais. Oh, c'est la long. La plupart du temps, il connecte ici. Ça me paraît tellement long. Et du coup, en fait, ce qui me fait dire que ça reste ok, c'est que du coup, dans l'histoire, blanc, il est comme ça, quoi. Ouais, mais dans l'histoire, là, blanc, il est connecté vers le centre, et dans ton histoire, noir, il peut encore déconnecter, j'ai l'impression. Ouais. Après, je sais pas à quel point ça joue. Et puis, vas-y, tu peux reprendre le contrôle. C'est le seul truc qui me faisait dire que peut-être que C18, c'était ok, mais je pense pas que B18, ce soit mauvais. Hein. Et du coup, la bonne réaction, bonne direction, je pense. Probablement en blanc on peut essayer de pincer cette pierre. Ici il n'y a pas. Enfin si noir vient ici, on peut prendre l'extension. Si noir vient ici, on peut prendre l'extension. Il n'y a pas de consurgence. Si noir vient de l'autre côté, il faut pas s'occuper de l'autre troupe. Si noir vient de l'autre côté. En fait le truc non, c'est bien, que... ouais. Là. Le coin est encore ouvert. Avec ma forme là, S5 c'est SNT sur la vidéo. Non, mais si noir joue pas en 4ème ligne, noir joue R13 par exemple, il peut. Ou est-ce que c'est trop proche? R13, ça? Ouais. La forme. Ce sera toujours le petit truc du coin. Il me semble que. On est d'accord, hein. Il y a ça. Ouais, ça sent le ouais, je l'avais regardé, mais il fallait d'abord répondre au S. Enfin, fallait d'abord faire T6, non? Sinon, ça marche pas. Est-ce que ça marche? J'ai un doute. J'ai pas cette impression.
Ouais. Ça, ça a l'air ok. Ouais, si, ça a l'air marché. De quoi ? Connexion. Non, mais oui. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Ben, ouais, il faut Nord répondre. Peut faire atterrir. Ah, pardon, pardon, pardon. Il est pas vieux. Deux secondes, deux secondes. Non, non, c'est. Où est-ce qu'elle est la variation ? Petite variation. C'est pour ça que je pense. Mais je suis pas sûr. Hein. Mais peut-être que c'est une bêtise que je dis, c'est que au lieu de jouer S4, il faudrait jouer ouais, genre S4, S1. Voilà. J'ai hésité à faire S... ouais, j'ai hésité à faire autre chose complètement et j'étais pas sûr en fait. Mais moi non plus. Il y a un petit truc. Comme ouais, ça fait du cul. Ciao Freki, ciao Mickaël. De rien pour le spectacle, il vous remercie pour le spectacle. Voilà, merci les gars. C'est beau. Ouais, il est à fond Freki en soi. En fait, t'as pas le choix. Là, tu prends le coin, hein, tu. Ouais, mais après, non, donc, tu dois faire ça, mais du coup. Ouais. Que la descente, elle fonctionne pas. Ah oui, c'est ça. Que... Oui, non, si. Bah, si tu descends, tu peux si perdre descend, les pyramides. Tu perds ça, quoi. Ouais, et après à droite ça devient chaud. Mais même la descente elle fonctionne pas. Hein. Non, noir, faut descendre. En Q1. Q1. Ouais. À ce moment-là. Ouais, parce que blanc doit toujours revenir donc. Tu t'es fait. Non, mais même. Non, mais juste ça, c'est. C'est fair enough quoi. Ça c'est déjà ok. Ah, mais du coup, on doit quand même rajouter un coup en fait. Ouais. C'est naze. Ouais. Ça reste naze. Non, mais en fait, ouais. C'est pas si strong que ça, hein, ce groupe. Mais bon, notre groupe à côté, il est pas si strong aussi, hein. P3, Q4. Yep. De fait, c'est pas mal. Oula, je suis parti beaucoup trop loin. Donc là, tac. Probablement, on peut juste prendre le coin maintenant. Oui, j'ai pensé aussi. Yep. Mais s'il bloque de l'autre côté ? De quoi ? S'il bloque de l'autre côté, noir. Après, notre groupe à droite, il n'est pas en s'il problème. S'il bloque de l'autre côté ? Ah, il va bloquer de ce côté-là, je pense. Parce que là, c'est trop surconcentré pour noir. Bah justement, blanc à droite, il est vivant. Ouais, bah c'est, ouais, c'est un peu le même délire que dans la partie. Tac, tac. On fait les échanges. Tac, tac. Ça, c'est... À cause de ces échanges qui sont CNT, du coup... Ça aide à pas mal stabiliser, ouais. Ouais. Mais c'est pour ça que peut-être l'autre souké, c'était mieux. En fait. Comme ça ? Non, le pont noir. Ah, celui-là, ouais, il y a des chances. Parce que là, si tu fais Sansan, on est content de prendre la pierre en P17. C'est ça, et puis si jamais on répond avec ce genre de truc, et il y a nos pierres, enfin les pierres noires qui sont de l'autre côté, qui vont être, bon, je mets n'importe quoi, mais qui vont se renforcer, et du coup, notre groupe à gauche, il va être encore embêté, un petit bordel. Les deux côtés sont embêtés, quoi. Voilà, c'est ça. Et là, l'idée, c'était de faire un truc comme ça. Alors, je sais pas si c'est bon, mais je pense que ça va. Qu'est-ce que fait noir, là ? Bah, on peut pas faire Q18, hein, j'ai l'impression. Tac. Parce que blanc, ça fait l'autre. Ouais, voilà. Non, mais et si noir fait P17 ? Ah, si, vous pouvez. Si, ça va. C'est, hein, un peu. C'est un peu la merde, non ? Si tu connectes en dur, c'est tout. Si je connecte en dur. Ouais, non, mais ok. Non, c'était ce que t'étais en train de faire. Ah, oui. Et noir P17. Et noir P17, celui-là. Ouais. Celui-là, justement, il marche pas très bien parce que... Noir va devoir échanger tous ces trucs-là. Blanc est plutôt ok. Et du coup, ça annule un petit peu l'influence noire. Alors, ouais. Mais ouais, la coupe, elle a l'air ok. Ouais, peut-être que j'aurais dû faire Atari ici, j'ai trop hésité. Ouais, ici Atari. Mais là, je pense vraiment Atari. Je pensais que... Bah oui.
Ouais, mais c'est pas grave, tu... T'as gagné déjà ça, et derrière, Blanc va devoir encore rajouter des coups. Bon, peut-être comme ça, peu importe, Noir va vivre aussi. Et plus tard, t'as celui-là qui est toujours cool, quoi. Mais franchement, Spawnookie, il est cool, quoi. Ouais, j'ai halluciné. Moi, je pensais qu'il y avait moyen, avec en faisant R13 puis S12, de... Là, Blanc, il souffre. Swan. Ouais, je pensais que. Vas-y, je te donne. Il y avait moyen d'être plus méchant, en fait. Mais oui. Tu vois, genre, comme ça. Ah. Peut-être. Bah, on commence en bas, non? Bon, du coup, on fait des trucs. Ça, c'est plus solide. Mais en fait, ton Q12, Q13, il nous permet de vivre aussi tranquille. Là, c'est vivant? Ou pas? Avec un truc comme T10, non? T10, ta vie? Fée noir S9? Ouais. Hein? Tu connectes. Ok. S10. Ouais, il va faire son œil ici. Hein. Et noir, il peut pas sortir. Hein. Ah oui. T10 a l'air de fonctionner. Ou alors, peut-être... T8 est emmerdant ou pas? Parce que T8 avec la descente en T4 ensuite... Non, mais tu tapes dessus avec S8 et c'est bon. Ouais. Et ça, directement, c'est OK du coup. Ouais, ça c'est OK. Ouais, il y a deux yeux. Hein. A priori. C'est sûr. Sur les spectateurs, là. Ils ont une idée. Ah non, tu veux dire, est-ce que Blanc doit rajouter un coup? Oui, je pense. Là, ça m'a l'air quand même bien de rajouter un coup en tant que Blanc. Ouais. Du coup, ça. Peut-être ça va. J'avoue que je réfléchirais pas trop et j'aurais rajouté l'autre. Oui, c'est l'air d'être OK. Hein. C'est une forme vivante. C'est une forme vivante. Voilà, on révise les formes avec Mathieu Go. Et ouais, si Noir fait T7. Ouais, et après la Blanc fait quoi? Et si Noir fait T7. T7. Du coup, ça. Ouais, ça, après, voilà. Ça semble fonctionner. Ça fait deux petits yeux. T'as de beaux petits yeux, tu sais. En fait, tu aurais que ça à jouer. Ouais, mais tu fais S8. Mais du coup, ouais. Les deux, en fait, sont miaille. Ouais. A priori. Moi, je vois deux yeux. Pam, pam, pam. On fait S6, on se ruine. Non, ça suffit pas. C'est vivant. Je te reprends le contrôle, là. Ouais, vas-y. Hop. C'est pour ça, j'ai très mal joué, j'ai regretté instantanément quand je l'ai joué. Ça aurait changé tellement de choses dans la partie. Et Tune, le bon timing, clac clac. Tune, elle est repartie à la conférence. J'aurais dû descendre là, tu penses, après? Après des deux? Peut-être. Peut-être, mais j'ai bien aimé ton coup aussi. Enfin, c'était les deux que j'avais en tête. Descendre, en fait, c'est... Enfin, c'est juste, ils prennent des points et je pense qu'ils sont pas mal. Ouais, justement, je voulais pas. Et ils avaient trop de points, déjà. je sais pas. Mais après, enfin, nous, on peut devenir très faible aussi, en fait. Donc, on a envie aussi... Il y avait le O4 qui était toujours là. Non, je pense que t'as joué flexible, c'était cool. Et vu qu'il y a, voilà, vu qu'il y a O4, on n'a pas forcément plein de points, donc... Tac. Et là, par contre, voilà, cette petite protection, un petit peu mieux. Hop. Et puis là, on va retomber sur ce qu'on a déjà commenté. Tac, tac, tac. Je peux pas retirer le son des pierres. Pouf, si. Ah, nickel. Ouh, c'est agréable.
Et la petite descente a l'air ok, non? Ouais, c'était mieux. Ça semble un petit peu mieux. Ouais, Blanc, il peut pas faire Atari en Q15. Et l'autre Atari en J15, il fait que renforcer. Donc l'échange, il peut pas être bon. On fait du quoi coup, on fait ouais. Ça peut-être. Ouais, c'est ça. Paraît assez... Ça paraît ouais. assez légitime. Oui, il peut changer ça, mais il va devoir revenir. Et du coup, vu qu'il y a ouais. encore ça. Ouais, je suis pas très fan de ce pipe là. Le pipe là, du coup, il est un peu moins violent. Clairement. Du coup, quand on traverse, ça fait plaisir. Ouais. Les bons coups, échange, tatata. Du coup, la connexion, on s'en a un petit peu vu. Ouais. Et là, ouais, probablement échanger ça, connecter. Ouais. Et là, on est même pas encore vivant, mais c'est ça qui est chiant. Mais ça va aller. Mais ça devrait le faire. Il y a peine de la force. Hein. Ouais. J'avais vraiment pas vu que le P5 ça enlevait l'œil. Pour moi, ça restait un œil. Paf. Et puis Yossé quoi. Yossé comme ça. Je sais pas encore. Ouais, moi je pensais que ça ferait une partie de Yossé. Mais là sur Yossé, j'ai l'impression que noir est quand même mieux. On a pas beaucoup de points. On a en bas à gauche le coin. Non plus, il a pas beaucoup de points. Hein. Vous non plus, en ouais, vrai. c'est pas faux. Non, je pense que moi, je... Ouais, c'est vrai, on a ce coup-là qui est très cool. C'est even, voire cool pour blanc. Tu peux faire l'estimation, là. Le problème, c'est que noir a du potentiel. Je pense que noir est mieux, parce que il a du potentiel au centre. Ici, il faut que blanc rajoute un coup. Mais si blanc rajoute un coup là... Bah, noir peut faire des points au centre. Dans l'estimation, le coin en haut à gauche, noir est mort. Ouais, non, mais l'estimation, quoi. Attends, je vais faire l'estimation. Mais ils comprennent des points pour ça, mais toutes les pierres noires sont mortes. Je vais faire l'estimation. Paf. Pif. Pouf. Ah ouais, ok. Et eh ben vois, c'est méga serré. Ouais, pour moi c'est even, okay. Voire cool pour blanc quoi. Je considérais que ça c'était plus ou moins mort. Mais ça change pas grand chose. Non, on avait une partie de Yossé qui était cool. Non ouais, carrément. Ok. Bah tu t'as mieux considéré que moi. Clairement. Ah, c'est rigolo. Je pensais pas qu'on était aussi au coup des coups. Ouais, pour moi Nord avait beaucoup plus de points. Et puis, je pensais, mais c'est vrai que si on regarde, ouais, c'est vrai honnêtement, plus que ça. Ouais. Honnêtement, je trouve qu'il donne plus trop de points à noir. Tu vois, là, il y a trop de points au centre, t'as trop de points sur le bord sud, donc une légère préférence pour blanc quand même. Ah, le bord sud, je suis, enfin c'est, ah si, c'est vrai qu'on peut aller jusque là, à ce moment-là. Moi, soit. Ah, c'est chouette. C'était une belle partie serrée, du coup. Cool. Et bon, bah ça, c'est un peu difficile. Mais là, tu vois, je pense pas qu'il faille faire le Atari, là, ici, vers le bas. Bah, il faut faire l'Atari, mais celui-là. Parce que ce que tu veux faire vivre, c'est l'autre côté. Ici, t'as deux yeux. Ouais. Comme ça. Et oui, tu vas perdre un petit peu. Ouais. Mais enfin, je pense qu'on là du coup, on est quand même mal. Hein. Fallait se connecter. Je pense qu'on est quand même un petit peu mal. Ouais, il fallait connecter quoi. Parce que noir peut chapeauter. Là je pense que c'est un petit peu chaud. Ouais. Mais c'est pareil que toi, Loïc, j'avais un peu mal jugé ce. Enfin, j'avais pas saisi à quel point c'était violent ce coup quoi. C'est un tune est quand même fort. Bah la coupe elle me faisait peur quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'il y a, Thune ? Ça peut mourir, ça doit mourir. Hein. Ouais, il paraît. Si ça peut, on va le faire, hein, y a pas de soucis.
C'est nous qu'on dit ça d'habitude. C'est nous qu'on tue. Pas content. Gigi. Bon, en tout cas, c'était bien cool. Hein, merci. Ouais. Merci pour la game. Ouais. On va qu'on se fasse une revanche. Revenge. Ah. À l'occasion, franchement, c'est carrément. Bon, pas forcément en stream ou pas. Peu importe. Peu importe. Mais ouais. c'était bien cool. Peut-être à un moment où Tiyu n'a pas de souvenirs. Ouais, c'est clair. Mais la pauvre, elle l'a su 2 jours avant. Non, mais je peux pas le savoir avant, c'est ça qui est relou. J'ai appris 15 minutes avant que finalement il y avait une partie de Rengo, alors. Ah ouais, le bordel. Et Mathieu, juste avant. T'es où? Non, mais en fait, dans ma tête, c'était. En plus, du coup, j'ai vu la. C'est aussi un peu ma faute, parce que quand je l'ai reçu il y a 2 jours avant, je me suis dit, non, mais c'est bon, de toute façon, c'est à 21h, le truc de. Et en fait, quand j'ai vu ton truc, je fais merde! Ah non, ouais, non, je stream toujours 18-20, ouais. Ouais, j'avais pas capté en fait. Moi, j'avais compris que c'était le 23, mais j'avais compris 21h. Non, 21h c'est trop tard, c'est l'heure à laquelle je vais faire les cookies. Ouais, je suis fatigué. Bon bah du coup on va terminer encore sur une défaite. Putain, je fais que des défaites en ce moment sur mon stream, c'est assez incroyable. Mais non. Ah, sur ton stream. Sur mon stream, sur mon stream. Notre dernier Rengo, ouais. On l'a gagné. Oui, le dernier Rengo, ça s'est très bien passé pour nous. Sur la fin, carrément. Et bah du coup, merci beaucoup à vous d'avoir répondu présent pour ce Pergo. Et si ça vous tente de le refaire, franchement, moi je suis bien chaud. Ouais, oui, les mardis. Oui, c'est Marine, elle est pas trop dispo les mardis. On verra se refaire ça, mais sinon même sans mais le stream. Mais à un autre jour clairement. De la semaine, sans stream. Ouais. Ah, ça t'angoisse le stream. Non, mais ça m'angoisse pas du tout, je m'en fous, c'est juste que j'ai mon cours de violoncelle. Du coup, c'est un peu compliqué de commencer cours de violoncelle et Go et Rengo en même temps. C'est pas faux, c'est pas faux. Ça marche encore moins bien qu'un séminaire, je dirais. Je pense que c'est bien fier. Je vais couper tranquillement le stream. Est-ce que ouais. vous avez une préférence pour les streamers chez qui je vais faire un petit raid? Il y a pas grand monde. Il y a qui? Il y a Jim Chess, Grey Wolves, Daeroval, putain je les connais pas, Remorcy. Bah je sais pas, moi tous les streamers de Go là. J'en connais aucun, donc j'en ai tu fais ce que tu veux. Et bah je vais envoyer les gens chez Grey Wolves parce que j'aime bien les loups. Ça vous va? Ouais, ça me paraît un bon. Ça va. Ouais, ça paraît. Ouais, pas mal. Grey très bien. Wolves. Yep. Et bah si une dernière fois. Bah si bien encore une fois et à dimanche ou la semaine prochaine ou pour le stream et puis un de ces quatre pour le Rengo. Yep. Ah ciao, bonsoir. Allez, bisous.